Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone 2, consacrée au retour du mode Zombie Royal. Soyez la dernière équipe à posséder un humain encore en vie. Les joueurs éliminés deviennent des zombies, mais peuvent redevenir humains en récupérant des antiviraux dans les caisses ou sur les joueurs morts. Un incontournable qu'on retrouve chaque année, sachant que cette fois-ci, on aura deux maps de disponibles, Vanded et Almazra de nuit. Et en vrai, c'est beaucoup trop bien, parce que selon la map dans laquelle on va se trouver, l'expérience de jeu va être drastiquement différente. De mon côté, en tout cas, j'ai préparé ma petite classe en espérant que ce soit la plus efficace, nous permettant possiblement du coup d'aller chercher le top 1 avec la M13 en arme principale et le bouclier en arme secondaire pour protéger ses arrières. Parce que bon, quand il y aura une tonne de zombies qui vont arriver et qui vont nous foncer dessus, vaudra mieux être protégé parce que sinon on risque d'être dans la merde et de se faire infecter par la même occasion. Après, j'aurais bien aimé récupérer, on va dire, la strat des années précédentes où du coup on avait les bâtons de Kali en secondaire et ça défonçait absolument tout. Le souci, c'est que bon, sur ce Modern Warfare 2, on n'a pas forcément l'équivalent des bâtons de Kali. Enfin, on l'a avec les Tonfa, mais j'ai testé et c'est pas aussi efficace que les bâtons de Kali. Tu peux pas enchaîner les zombies au corps à corps comme on le faisait justement les années précédentes avec les bâtons de Kali, donc c'est bien dommage. Du coup, oui, je me suis replié sur le bouclier. On va plutôt passer sur un aspect défensif que offensif par rapport aux années précédentes. Mais je pense qu'avec ça, on peut faire mouche et réussir à s'en sortir. Après, c'est jamais facile de toute façon de faire top 1 en zombie royal parce que souvent c'est juste une question de bon timing en fin de partie. Réussir finalement à récupérer les antiviraux pile au bon moment pour que tu sois après vraiment le dernier joueur encore en vie qui n'est donc pas un zombie. Même si, et ça a été plutôt l'exploit, j'ai eu pas mal de chance justement sur cette game. Dès ma première partie en zombie royal sur ce Warzone 2, j'ai quand même réussi à faire top 1. C'était sur Vanded. Donc quoi qu'il arrive, je pourrais quand même vous proposer un top 1 à l'issue de cette vidéo, vu que voilà, j'ai pu rec quand même cette game, et effectivement, je vous la proposerai si on n'arrive pas à faire un top 1 là en live contrarié. Et même si j'en fais un, possiblement, je pourrais quand même vous proposer cette game en mode game bonus à côté. Donc on verra, mais du coup, j'ai un peu ce joker, tu vois, déjà de côté, au cas où que les choses se passeraient un peu mal, mais j'ose espérer que ça va bien se passer. En tout cas, on va pouvoir lancer directement notre première partie qui risque de se dérouler sur Almazra, vu que là, dans 37 secondes, ça va switch sur Almazra, vu que là, en ce moment, on est sur Vanded, et c'est une rotation, du coup, toutes les 15 minutes. Donc on aura sûrement l'occasion, de toute façon, de jouer autant sur Vanded que sur Almazra, et ça, vraiment, c'est une très très bonne chose. Après, si je lance directement, on va peut-être justement avoir Vanded. Ouais, je pense que là, on va avoir Vanded. Ouais, c'est bon. Parce que dès que c'est lancé, finalement, le compteur n'est plus pris en compte. Donc voilà, première game sur Vanded, et après, on verra si on va passer sur du Almazra ou si on continuera sur Vanded. Finalement, c'est le timer hein, qui va être le roi et qui va décider de la map sur laquelle on va tomber. Bon, assez papoté, on se retrouve du coup dès que la première game s'est lancée. N'empêche, je commence légèrement à douter vis-à-vis de l'utilité de mon bouclier, parce que aussi bien, il va rien bloquer du tout par rapport aux attaques des zombies. En soi, quand même, si je pars du principe que sur Shipment, quand on joue au corps à corps, aux armes de corps à corps, et qu'en face, les mecs sont au bouclier, quand tu les attaques et qu'ils sont du coup dos à toi, clairement, les coups de couteau, la plupart du temps, ils passent pas du tout. Parfois, t'arrives quand même à en caler un avec beaucoup de chance, mais la plupart du temps, vraiment, ça bloque à 100% le bouclier vis-à-vis des attaques de corps à corps. Donc là, en principe, ça devrait être la même chose, parce que bon, les zombies, c'est quand même des attaques de corps à corps, c'est du coup, hein. Pas des attaques de cut, certes, mais du coup, c'est encore moins efficace. C'est des coups directement avec leurs mains. Est-ce que après ça va fonctionner de la même manière, justement, que si on était en multijoueur? Je sais pas, je sais pas. Parce que aussi bien, ils ont voulu un peu patcher ça, et du coup, les attaques vont très très bien passer côté zombie, hein, et mon bouclier, il va vraiment rien bloquer, hein. De toute façon, si c'est vraiment pas efficace sur cette partie, que mon bouclier sert à rien, bon, bah, il faudra changer de stratégie, et je pense que du coup, je le remplacerai limite par un KV Broadside, hein. Surtout que quand j'ai fait top 1, bah, j'avais pas de bouclier du coup. Et j'avais justement en plus le KV Broadside en arme secondaire. En arme principale, je sais plus ce que j'avais, mais il y avait le KV Broadside. Ce qui peut être une bonne arme en soi pour le corps à corps, surtout quand les zombies ils viennent t'agresser à coups de gaz lacrymogène.
Parce que quand il y a le gaz lacrymogène, tu ne peux pas viser. Donc avec une arme par exemple comme la M13, mes balles vont difficilement passer. Alors qu'avec un pont, bon bah ça passe tranquille, vu que t'es chirurgien dans tous les cas, c'est bon. On verra. Regardez, les zombies sont déjà là d'ailleurs hein. Bon, même si... Oh, pas plus longtemps. Ah ouais, ils partent directement à l'attaque de l'avion, regardez. Ils sont vachement bien accrochés d'ailleurs, je sais pas comment ils font là. Mais ça relève de l'exploit quand même hein. Sacré zombie hein. Beaucoup plus athlétique que les années précédentes. Alors là ça veut aller... Ok, ça veut aller château. Ouais, bord de zone en même temps, ouais, ok. Bien reçu, j'aime les défis. Faisons ça. Je vous rappelle d'ailleurs que bon... Ça c'est un élément très intéressant d'ailleurs, mais en zombie royal, quand tu meurs, tu réapparais tout le temps avec les armes que tu avais du coup lors de ta mort, donc à ce niveau là on n'a pas trop de pression, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré de toute façon notre classe via le largage d'armes personnalisées, on pourra les garder pendant toute la partie. Autre particularité par contre qu'on n'avait pas les années précédentes, ça c'est très intéressant, c'est le fait que maintenant, c'est écrit, hein, l'infestation permettra du coup aux spectateurs de se rétablir en tant que zombies. Donc tu vois là, dans une minute, tous ceux qui sont spectateurs, donc qui sont morts en tant que zombies, vont pouvoir réapparaître. Et ça, tu l'as pendant un petit temps durant la game. Bon, pas pendant toute la partie sinon on serait abusé, mais pendant un petit temps quand même. C'est quoi ça, fusée de renfort par contre? Je sais même pas ce que c'est. Donc ouais, ça permet on va dire de prendre peut-être un peu plus de risques quand t'es en zombie, parce que du coup, tu sais quand même que tu auras cette possibilité de respawn, même si tu meurs. Donc c'est une bonne nouvelle fonctionnalité en soi. Hein. Et ça fait que bah, les games sont encore plus dynamiques du coup, parce que bah, les respawns sont plus, plus fréquents que pour les années précédentes. Je crois qu'il y a déjà du monde. Ah, il y a déjà un zombie là. On va tenter de le pomper, pourquoi pas. Préparez-vous à combattre les morts vivants. Bon, par contre, pas sûr que le MCPR soit une bonne arme là. Hein. Pas sûr que vraiment on ait l'occasion de sniper des mecs. Je suis pas convaincu en tout cas par cette info. Oh, il bug le zombie là. Oh, c'est quoi ce zombie démoniaque là, il buguait, bordel. Bon bah du coup j'ai déjà plus de cartouches hein. Et bah du coup c'est limite, c'est comme si j'avais plus d'armes, parce que bon ça va pas non plus être l'occasion de tout ça. Hein. Ah, c'est bah, un mec, par contre, je comprends. Ah bah au pire là il y avait les munes. Ok, parfait, parfait. Hop, on va quand même récupérer ces plaques là. Comme ça on est bien niveau plaque. On a un drone à mieux en plus carrément. Ah, du coup, ouais, il y a un ennemi, regarde là-bas. Bon, il est un peu loin, mais justement, pour le sniper, on est peut-être sur le bon moment, hein, tu vois. De toute façon, là, il va devoir se ramener parce que. Il y a le gaz. Ah bah. J'ai même pas eu le kill, du coup, oh non, l'arnaque. Eh, vas-y, ça s'est joué à une seconde près, hein. À une seconde près, il mourrait pas par la tempête et je lui mettais juste une balle, il mourrait, hein, vu qu'il avait vraiment plus de vie, faut croire, s'il est mort comme ça. Ah. Quel mauvais timing, hein. Il y a des mecs aussi en contre de bas. Ah bah attends. Oh. Non, je crois que c'est pas moi qui l'ai vu, même si c'est le logo de mise à terre. C'est chiant ça, c'est buggy en fait. Quand il y a le logo comme ça de mise à terre, tu penses avoir le kill, mais. Je sais pas. Tu l'as pas du coup, et je sais pas pourquoi ça met ce logo là. Hein. Enfin, quand on est sur Warzone, hein. Faut pas se questionner, ce jeu est plus buggé, donc. Hein. J'aurais été pareil, hein. Bon, là du coup, on devrait limite avoir de kills. On a atteint la moitié du taux. Non, au moins un, mais. Éradiquer les morts. On a rien du tout. Il y a en tout cas le largage, il vient de spawn, donc ça c'est un peu aux abords du cimetière, non? Ouais, je crois. Hein. Si je ne m'abuse. Bon, autant aller récupérer toi son instant. Hein. Au moins c'est fait, on aura nos armes et on sera prêt à tester justement l'utilité du fameux bouclier là. Après il est vraiment placé quand même là le collier. Hein. S'il y a des mecs dans le bâtiment, sur le toit là, ils seront prêts à nous aligner. Hein. Au limite, c'est un sacrifice pour récupérer les armes. Hein. Faudra bien les récupérer de toute manière. Donc, Oh, le petit tramway. Le tramway fantôme. Après, il n'y a que notre colis, donc ça c'est bien. Oh, il y a des ennemis surtout. Hein. Ils m'ont dit. Hop, c'est le 1. Il y a le deuxième encore qui est derrière. Oh, elle ligne bien, hein, ma petite M13. Hein. Lui, par contre, je pense qu'il a pu accéder au bâtiment. Ah non, il y a même un. Une petite ruelle là, ouais, donc il a pu fuir déjà. C'est mort, hein. Quoique. Il y a un autre ennemi là. Non, mais ça c'est dégueulasse, pas par derrière. Frappe de mortier. Oh là, qu'est-ce qu'il foutait là lui? Je ne sais pas, mais l'effet de surprise était garanti. Hein. Hein? Ah, bah je crois qu'on a eu pile le timing avec la réa, non? Ah, ça doit être ça, je pense. Oh, bordel, le timing a été parfait. On est même pas passé en zombie du coup. Oui, parce que c'est écrit en spectateur, mais du coup, je crois que effectivement, quand t'es en zombie aussi, tu repasses direct en humain. Hein. Enfin, je suppose, vu que là, bah, c'est littéralement ce qui vient de se passer. Hein.
Alors, sur le toit là, il y a l'air d'avoir personne, hein. On va peut-être spawn ici. Ouais. Bon, même si les zombies pourront arriver, mais. Après, j'entends des bruits de pas, donc il y a quand même du monde. Où vient là, toi? Où vient là? Soldat ennemi en approche. Forcément, il va réussir à fuir là. Il est juste derrière lui, de toute façon. Vous êtes pourchassé par une escouade ennemie. Sortez-vous de là. Il me saoule. C'est quoi cette course-poursuite? L'infection est à 50%. Il est chiant. Attaquez les morts vivants. Mais j'ai le démon, mais regarde-toi. Et comment ça se fait qu'il courait plus vite que moi? Impossible de le rattraper, hein. Oh là là, moi je suis sûr que cette situation-là, je me fais courser et je me fais rattraper, hein. Oh. Bah yes, hein, les situations à la fin comme ça, on apprécie, hein. Au moins ici, il y a de quoi se revive, quoique. Il y a une grenade, j'ai un peu peur, mais allez, c'est bon. Ça passe, j'en ai déjà trois, il en manque une. Ah, c'est il y en a une dernière. Allez, ciao. Un ennemi atterrit dans la zone. Bon, on va peut-être spawn sur les alliés, parce que là, du coup, ça aurait peut-être permis d'éviter cette mort, hein. Ah bah tiens. Lui, il a eu son petit kill. Je suis pas confiant en même temps de me mettre dans des bâtiments, tu vois. Les morts vivants arrivent. Ils peuvent facilement te surprendre. Un coéquipier a été soigné. Bah, j'en ai déjà une, de toute façon. Le gaz se propage. Ah, en dessous. Là, ça réapparaît, mais bon, c'est les zombies. Je me suis bon. C'est quoi, tentation des ennemis, hein? Oh. Vous devriez vous rendre dans la zone de sécurité. Ok, good. J'ai raté mon coup de lancer. C'est pas fameux, ça, hein? Ok. Ennemis dans la zone des opérations. Attention, par contre, aux zombies qui vont peut-être vouloir se ramener en mode représailles. Et en mode volonté de récupérer surtout des. Ah bah, ça, c'est l'allié, par contre, il y a vraiment un vrai zombie. Oh putain, assistance encore, j'en ai marre, hein. Ah non, hein. Fuck les assistances. Oh bah tiens, regarde, le mec là-bas aussi. Ouais, bon, à cette distance, je pense qu'on voit pas grand-chose, hein. Je me fais tirer dessus. Ils veulent m'attaquer, du coup. Attends, on va se mettre une petite caisse de mun. Vu que ça donne normalement aussi de l'armure, on en a un peu besoin. Ah, mais en plus, on a un screamer, donc là, vraiment, c'est tout bénef. C'est merveilleux. J'entends un mec encore par contre en dessous, hein. Ah, il aurait fallu décaler sur un autre toit, genre là-bas, tu vois, mais je sais pas comment on va y accéder. Surtout si on peut y accéder, c'est même pas sûr. Si là on a l'escalier, c'est bon. Par contre, j'ai abandonné l'allié lâchement. Attention, vous êtes le dernier. C'est la survie, hein. Bordel, mais qu'est-ce qu'il faisait là? On a embuscade, lui. Lâchez quand même, hein. T'as bien tué. Ok, limite ici je suis bien, genre les zombies ils penseront pas venir là. Quoique bon, vu qu'il y a des seringues maintenant du mec que j'ai éliminé, soit c'est lui qui va vouloir tenter quelque chose à se ramener, soit c'est un autre zombie, mais attention. Surtout, il y a quelqu'un qui monte une échelle. C'est-à-dire qu'il y a une échelle qui accède au toit aussi. Ok, donc là il y a du monde, il y a du monde dans les parages. Peut-être quand même tenter un truc, hein. Je sais pas comment c'est fait ici, mais... Elle était où l'échelle en fait? Ah, elle était là, ok. Putain, je l'entendais vachement quand même, alors qu'il était pas si proche que ça finalement de moi. Bon, hop, merci bien. On va essayer d'arpenter les toits sans se mettre trop à découvert non plus. Il reste combien là? Il reste 36 jours encore, ouais, donc on a de la marge, hein. Avant la fin. On est encore très très loin justement de la finalité de ce jeu. Oh mais les screamers, ça va 2 secondes, oui. Ça me spam de screamers là. Ouais, on a déjà 4 kills, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, sachant que ça compte pas là, le compteur de kills, ça compte pas les kills de zombies, même si bah du coup je crois que j'ai tué encore aucun zombie, hein. En classement. Ah ouais, putain, j'ai 0 kills de zombies. Comment ça j'ai plus de kills d'opérateurs que de zombies? C'est pas normal, normalement c'est le contraire. De toute façon là je suis pas dans la zone, donc je vais devoir passer sur un autre toit. Bah celui-ci je pense, hein, c'est le plus proche, mais... Encore trouver l'escalier. Bon, l'escalier est juste ici. Hein. Bon, les alliés, par contre, ils pensent que je vais les réa, mais chaud, hein. Ah, mais c'est vrai qu'en même temps, il n'y a plus la réa des spectateurs, donc ouais, c'est pour ça. Mais bon, c'est plein milieu de zone, ça va être compliqué, hein. J'ai pas envie de me mettre en danger, moi. Après, là, si j'ai un accès. Ouais, non, j'ai même pas d'accès via les toits. Hein. J'ai pas envie de me mettre en danger pour eux, hein, honnêtement. Ah, non, 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 hein. C'est un peu calme, quand même, sur les toits, je trouve.
pour lui. Let's go. Attention qu'il n'ait pas une auto-réa par contre. Il est passé où? Ah, il est là. Oh bordel. J'en ai marre, je vais mettre tout le monde à terre, je vais tuer personne. Avec leurs foutues auto-réa là. Comme par là, il fallait que le mec ait une auto-réa quand même. Hein. Ça, j'ai rien. Ah, j'aurais même pas mon kill, je pense. Hein. Ouais, pourquoi les zombies sont pas au taquet là? Quand il y a un mec à terre, normalement, les zombies ils devraient foncer dessus. Hein. Oh, le shoot il est monstrueux, hein, comme les zombies. Ok, c'est bon, on l'a eu. Il y a des mecs à côté en plus, mais ça, j'y ai pas accès, je crois. Non, j'y ai pas accès à ce toit-là, de toute façon, il va falloir se bouger, là. C'est pendant la transition que je vais peut-être pouvoir aller au ravitaillement, par contre. Surveillez le ciel. Je pense que ce sera le moment idéal pour tenter de les réa. De toute façon, là, je risque de mourir en soi, hein. Il y a de fortes chances, effectivement. Oh, toi, par contre. Aïe, 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 ça va être chaud, hein. Il y a d'autres mecs au bouclier, donc c'est peut-être pas une mauvaise idée, en tout cas, d'y jouer, hein. Mais là, je risque de mourir, hein. Il y a de très très fortes chances que ça se passe mal. Mais tentons ce qu'il y a à tenter. Oh merde, putain, c'est de l'autre côté. Passer par l'extérieur. Je connais pas assez, moi, les trucs de trucs. Hein. Ah, j'en ai réa un. Hein. j'ai pas réa les deux, j'en ai réa un en moins. Enfin, j'ai même pas d'auto-réa d'ailleurs. Bon, soit. Soit. Alors. Là, par contre, ça commence déjà un peu à piquer en hein, nombre de joueurs, il reste déjà plus grand monde. On va falloir essayer de bien réa les gens et... Enfin, de bien se réa plutôt. De pas prendre non plus de gros risques, hein, je pense. Bon, là, il y a des seringues. Ouais, j'ai déjà récupéré. Ah non, il y en a encore. Ok, on en est à deux. Là, il y en a deux autres. Qui viennent de disparaître. Sans patoche. Bah, là, on est vraiment sur la fin de partie, hein. Eux par contre tu vois je vais pas tenter de les chercher hein. Trop risqué. Ah faudrait récupérer soit des mecs qui sont un peu des gens en danger, soit voilà, récupérer des seringues bien disposées. Il faut trouver un moyen là de se réa en tout cas. Là-bas c'est bon hein. Enfin y'a un mec sur la tour carrément. Là je crois que y a un coup à jouer. Non. Pas des... Non, il n'y a pas de... Ah si, non, c'est des empreintes. Très bien. Dans l'eau sinon, mais bon. Chaud aussi, hein. Je pensais pas que j'allais autant galérer là, tiens, pour récupérer. C'est pourtant. Au moins, il y a un allié qui a réa, ça c'est bien. Là, en dessous, il y en a. Même là-bas, attends. Non, mais à chaque fois, j'arrive trop tard. Je crois que c'est mort sauf si je fais un kill en fait. Après si l'allié clutch ce serait incroyable. Hein. Ah, en plus j'ai trop peur d'aller dans le bâtiment. Hein. Ah l'allié est mort. Ouais c'est la fin, il reste, ouais, il reste plus que ceux qui sont dans les airs. Là on soit on les élimine et en fait je suis dans l'éliminaire et c'est bon, on réapparaît, soit bah t'es foutu hein. Lui il faut le tenter je pense hein. Ok. Non, j'en ai eu qu'une. Encore un et vous serez guéri. Oh, je suis deg. J'en ai eu qu'une. Il en reste encore, hein. Ouais, il en reste encore, mais bon. Ça se joue à rien. Hein. Allez, pour moi lui. Ok, c'est bon. On a la réapparition. Oh, c'est chaud, c'est tendu, c'est tendu. Là, on est encore 5, hein. Allez, faut tempo, faut tempo. Oh, bordel. Allez, 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 allez. Mourez, mourez, mourez. On est encore 4. On est encore 3. Oui. Incroyable. Première game top 1. Incroyable. Eh, première game. De mon côté, top 1, première game en vidéo, top 1 également. Oh, let's go! Tu vois là, j'ai eu le timing incroyable, hein.
Donc limite, le fait que j'ai galéré pour récupérer la seringue, ça a été une bonne chose, parce que si j'avais pas galéré, j'aurais respawn trop tôt et c'était mort. Heureusement que la limite, j'ai galéré pour récupérer la dernière seringue. Hein. Incroyable. L'autre il dit can't win a gunfight, bah si j'ai gagné des gunfights hein. Jusque là j'ai réussi à la prête au dernier moment, hein. J'ai même pas attendu dans le ciel en plus, enfin si mais. En même temps j'allais pas me déposer alors qu'eux ils étaient tous à terre hein. Yes ah, elle fait plaisir celle-ci hein. Elle fait plaisir. Bon là je pense qu'il y a Almazra de toute façon du coup. Qu'on va pouvoir faire une autre partie sur l'autre map. Ouais, les âmes je commence à en avoir beaucoup trop alors que. Je peux même plus les dépenser. Ça c'est bien triste. Après la partie vu qu'elle a duré longtemps, non c'est bon. C'est Almazra mais il reste 4 minutes, ok. Allez, c'est au tour d'Almazra avec, pourquoi pas, un nouveau top 1. Non, j'y crois absolument pas. Mais on va quand même tenter de faire une très bonne game, de survivre face aux zombies et de faire un maximum d'éliminations. J'ai changé en plus ma classe cette fois-ci. On sera avec la Iso M-Lock, mais toujours avec le bouclier dans le dos. Le bouclier, je sais pas s'il m'a vraiment servi du coup sur la game précédente, mais en même temps il m'a pas desservi. Donc, oui, on le garde, hein. Et on verra si justement là il va me desservir. Oui, bah non, non, il n'y a plutôt pas intérêt. Hein. Sachant que la particularité sur Almazra, c'est que en principe, à chaque fois, en fait, on tombe sur des zones qui sont autour des différents boss qu'on retrouve du coup avec l'événement d'Halloween. Donc, t'as une zone autour du pharaon. T'as une zone, j'étais pas prêt là par contre, une zone autour également de la créature des marais, autour de l'ovni, et je crois que c'est à peu près tout. Je crois que les autres boss par contre on les a pas, bah, de toute façon le boucher lui il est dans sa propre localisation, donc effectivement je peux pas avoir de zone je crois autour, et en plus ça change à chaque partie. Mais je crois que c'est tout ouais, donc ça fait trois zones différentes, hein. Y a pas beaucoup de diversité, mais voilà un peu comment que ça se passe. Sachant que tu peux en plus... Te fight contre le boss en question hein. Ils sont encore disponibles en zombie royal. Allez hop. Et après la raccroche, place au protecteur. Là ça rigole plus hein. Attention les zombies. Ça va prendre la colère du protecteur là hein. Ah bah là tu vois on va être autour du coup ouais. On va être autour de l'ovni. Intéressant ça, je pense que c'est la meilleure des trois zones d'ailleurs. Donc parfait. Parfait qu'on tombe dessus. Et on va sûrement aller du coup sur le ping de l'allié hein. Ouais. Ouais, c'est un bon endroit où aller, mais on va tenter ça. Mais en vrai, c'est une très bonne zone parce que du coup, si vraiment ça se replie sur la zone de l'ovni, après tu peux te cacher dans l'eau et tout, et non, ça peut donner des situations assez cocasses. Bah, j'ai eu une zone comme ça hier, donc je pars un peu en connaissance de cause, j'ai un peu d'expérience. Alors, ici, j'espère qu'on va quand même pouvoir récupérer des petites armes en attendant notre ravitaillement. En plus, il y a des ennemis en approche, il semblerait. Super, ici il n'y avait rien du tout, il n'y avait même pas une arme. Et là, bah, il y a déjà tous les alliés qui vont récupérer ce qu'il y a, donc je vais devoir rester au pistolet. Et une alarme ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui sonne. Au pire, attends, il y a ce petit bâtiment sinon. Super le spawn, hein. Pour l'instant, il est clairement pas validé, hein. Waouh, une base neve avec deux accessoires. Le taux d'infection est de 50%. Pas terrible. Hein. Alors, sûrement qu'on est à l'écart, mais est-ce que c'était nécessaire d'être à l'écart? Je suis pas forcément convaincu. Hein. Non, je vais plutôt prendre le gilet de communication. Voilà. D'ailleurs, pourquoi il y a déjà une seringue ici? Il y a déjà quelqu'un qui est mort? Faut croire. Ah, mais la base neve, c'est sûr qu'il me faudrait une autre arme. Parce qu'avec ça, on ira pas loin. Même si. Est-ce qu'on va forcément croiser des adversaires là? Pour l'instant, c'est tellement calme que on dirait que non, mais on sait jamais. Hein. Bon, on va descendre de toute façon, je pense. Il y a déjà pas mal de seringues en tout cas autour de nous. Hein. En même temps, on est tellement loin aussi parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont spawn quand même autour de l'ovni. Donc à l'opposé complet. Nous, du coup, on est carrément à l'écart hein, de tout ça. Et ça, mais non, mais pourquoi j'ai les pires armes dans. Soit au stuff au sol ou même dans des coffres, quoi. Oh là là. C'est la tristesse, là. Hein. Je suis pas sûr que le SAB soit une bonne arme, là, pour du zombie royal. Hein. Je vais m'amuser à coup de cop les zombies. Hein. Faites face à 5 bêtises en utilisant. Ah, ça, c'est le défi caché. Je sais plus ce que ça débloque, d'ailleurs, mais super. On a débloqué une petite récompense. Oui, je savais en plus, c'est un défi caché où il faut effectivement. Alors, je sais pas pourquoi ils disent bêtises, parce qu'en fait, il faut avoir 5 screamers avec ces caisses de munitions hantées. Les morts-vivants arrivent. C'est que mon cinquième screamer avec les caisses de mission. Je pensais en avoir eu plus, hein. Et pourtant, faut croire que non. Bon, c'est bon, on a le ravitaillement.
Il s'agit d'aller le récupérer. Ça va, on n'est pas très très loin. Mais c'est quand même fou que... Y a rien eu en termes de stuff hein, sur le chemin. Ah, il y a d'ailleurs des ennemis. Quoi ? Putain, je pensais tellement que la troisième balle aurait pu le tuer, sachant qu'on l'a break shield avec la deuxième. Comme quoi, il rend nul, hein, le SAB. Je peux pas dire, mais là... Il y a plus rien à faire avec ça. Hein. Il est clairement dans le bâtiment, le gars. Enfin, je suppose, hein, sinon il serait venu, de toute façon. Un coéquipier a été on va récupérer nos armes, et après, peut-être qu'on ira voir. Je pense qu'on ira même voir, à coup sûr. Ce sera l'occasion de tester un peu la ISO. Hop, même si c'est pas la première fois que je la joue en... Votre équipe a atteint la zone en Warzone, mais... Tout de même. Tout de même. En plus, il était tout seul, donc c'est l'occasion d'en profiter. Même si là aussi, je vais être tout seul, en fait. Hein. En y repensant, ouais. C'est la même. Hop, ok. Problème peut-être avec la ISO. Double problème, d'ailleurs. Primo, elle a pas beaucoup de cadence, donc comme je vais me retrouver à tirer ou juger contre des zombies au corps à corps, ça va me coûter cher, je pense. Et en plus, ça arrive. En parlant de zombies, non? C'est des zombies ou des... Ouais, c'est des zombies. Et Dezio, elle a que un chargeur de 45 balles en chargeur amélioré. Alors que la plupart des armes en ont plutôt 60. Donc ça va peut-être être un peu limité aussi. Hein. Après, l'avantage peut-être qu'elle n'avait pas la M13, ça c'est sûr, c'est qu'elle fait beaucoup plus de dégâts. Il faut bien que ça équilibre un peu en même temps. Ah, par contre cette fois-ci, je crois que c'est moi qui vole les kills. Contrairement à la partie précédente. Attends, j'entends un mec, il est où? Et il est là. Il est loin pour un mec que j'entendais vachement bien quand même. On l'aura pas. Même si j'ai pas dit mon dernier mot. Oh putain, là il y avait une occasion de faire un kill, mais je crois qu'il y a du zombie, non? Non, même pas. J'ai eu peur pour rien. Oh là, on l'aura pas. Début de l'infection. Les morts vivants entrent dans la zone d'opération. J'aime pas rester ici en même temps, on est trois découverts. Oh, on est trois découverts sont vrais. Pas sûr que ce soit une bonne idée du coup de rester dans les parages. Bon, lui, j'espère qu'il va se faire tuer quand même. Ouais, c'est bon, élimination confirmée. Attention, allié. Ok, c'est bon, on l'a sauvé. Et en plus, là, il y a masse zombie qui commence à arriver. Je sens que nos secondes de vie sont comptées. Je risque de bientôt mourir. Ah, bah là, on tue masse zombie au moins cette fois-ci. Hein. Contrairement à la game d'avant, j'ai aucun kill de zombie. Là, au moins, ça y va. Hein. Ouais, je vais faire deux opérateurs aussi, donc ça va. Il y a un équilibrage quand même qui se fait. Par contre, il faut qu'on tue un zombie en récupérant également la... Ah bah c'est bon, il en a largué une. Bref, sinon là, j'avais plus de mun. Ça partit là. L'infection est à 50%. Des screamers, on veut tuer, on voit là. Attaquer les morts vivants. Je crois que c'est même un exploit que je sois pas encore mort du coup là. Il dit ça et ça va arriver hein. Et voilà, bah, je peux rien faire, Oh si, je l'ai eu. Oh putain. Merci le couteau de lancer, parce que du coup, grâce au couteau de lancer, je donne des coups de cut et pas des coups de cross. Ce qui fait quand même qu'on fait plus de dégâts au corps à corps. Mais là, ça m'a littéralement sauvé la vie. Hein. Oh bordel. Ok. Tu m'y as donné, je crois, deux coups de couteau limite, pas plus. C'est incroyable en vrai. Allez hop, critique pour l'allié. En plus, si on aide l'allié à se réanimer, non mais là, on est partout là. Hein. C'est la polyvalence. Mais encore une fois, j'aime pas cette zone là parce que je suis au bord justement du gaz, donc les zombies vont arriver par derrière. Il a été redéployé. En plus, on va vite courir pour la rejoindre la zone. Hein. Même si je le débute tout à l'heure et qu'il n'arrive pas, mais là je crois que malheureusement je vais mourir. Hein. Ah bah non, j'en ai cuté un, j'en ai pas cuté deux. Hein. Ouais, non, là c'était mort, regarde le nombre de zombies qu'il y avait. C'était plus possible là, de survivre. Hein. C'est pas grave, on a fait comme ce qu'on pouvait. Et c'était pas dégueulasse, surtout. Hein. Une bonne petite survie là qu'on a mis en place. Maintenant, il s'agit quand même de pouvoir se réanimer assez rapidement. Alors, il y a plein de seringues là-bas. On va tenter d'aller dans cette direction, même si je pense qu'il faut arriver. Ah, il n'y a plus grand chose. Hein. C'est un peu la crainte que j'ai en tout cas. Effectivement, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Bah, tout va se passer maintenant autour de l'OVNI. Hein. Il y en a quand même qui ont commencé un peu le boss fight. Hein. Bon, forcément, ils sont loin de les terminer, mais je remarque que ça a un peu débouté quand même le boss fight. Hein. Ah, ça va pas être facile quand même hein, de récupérer les seringues où c'est placé. Ouais. Donc là, on est dans un stade de la partie où il n'y a même plus de seconde chance. Chiant parce qu'on peut même pas profiter de la seconde chance du coup, mais ouais. Je pense limite, je vais être tempo, je vais attendre parce que là, la zone est encore trop grande, tu vois.
Donc il faudrait attendre qu'elle soit plus petite, là c'est pour enchaîner la récupération, mais pour l'instant bof bof hein. Ils ont encore trop de possibilités, les survivants, pour rester en vie. Là il y en a un mec d'ailleurs à l'intérieur, je crois, non? Il parle là-dedans. Je suis même trop à découvert là, tu vois. Vraiment, je reste plus bord de zone. Et on arrivera à les récupérer, ces 4 soignes. Enfin, je croise les doigts. C'est pas encore fait, hein. On a quand même 3 kills plus 7 kills, je crois, de zombies, c'est ça? 8 kills de zombies, même, ça fait 11 kills au total pour l'instant. Donc c'est pas mal du tout. Ah, quand même 8 kills de zombies, c'est pas rien, effectivement. Bon, là, il y a un mec sur le toit, mais bon. Je suis pas convaincu que le. Ah non. Je suis pas convaincu, effectivement, de le tenter, c'est une bonne idée. Il faisait 2 en plus, je crois. Hein. Un coéquipier a soigné son infection. Ah, c'est chaud, hein. Parce que là, en fait, ils sont vraiment tous en plein dans la zone, les seringues, mais à mon avis, il y a plein de joueurs aussi avec. Hein. Parce que là, regarde, il y a un tas de seringues, mais je pense que c'est bien cover. Hein. Là, je peux quand même tenter, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. En fait. Et aussi bien, c'est dans l'eau en plus, je sais pas. Attention, l'ennemi a déployé peut-être tenter quand même Alzheimer. Quelque chose. Hein. Parce que vu le nombre de seringues là, il y a un ennemi en plus, hein. Peut-être pas plus. Hop, et de une. Oh là, il y en a deux autres. Parfait. Il en manque une. Il en manque une, mais la dernière. Ouais, la dernière, je suis pas convaincu qu'on va l'obtenir comme ça. Sinon, on va se rapprocher comme ça. Là, il y en a pas par hasard. Ah, si, là, je pense. Là, non, il y a pas. Ah, dans l'eau. Oh non, il faut aller les chercher là, hein. Aïe aïe aïe, dans des conditions extrêmes, mais on les a. Bon, par contre, le respawn là va être important, mais en même temps compliqué à choisir. Ah, je sais pas où aller. Ah, si, j'ai une petite idée. Ah, mais je suis trop loin. Ah, bah non, en plus, c'est dans la zone où je serais allé, sinon dans le bateau là en lévitation, mais effectivement, c'est trop loin. Et là, je peux pas. Non, je peux pas aller sur ce conteneur, sinon ça aurait été quand même vachement bien. Comme spawn. Ouais, bah là, vraiment, c'est la merde, hein. J'ose le dire, là, il y a peu de chances que je puisse survivre. Encore caché ici, pourquoi pas, mais bon. Ouais, un zombie en moins. Putain, bon, moi, je sauve les ennemis, là, tout du fat. Hein. En plus, il me tue après, bah ouais. Aïe, 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 aïe. Bon, en même temps, c'était un mec grade, je sais pas combien, là, vu sa carte de vie, vous pouvez pas le voir, mais... Vous avez été infecté. C'est un tryhard du classé, là. Ah, cette partie va être beaucoup plus compliquée que Vanded, hein. Là, on a très peu de possibilités. C'est même pas la zone qui fait ça, hein, parce que quand j'avais joué cette zone là, c'était plutôt bien passé, tu vois, pour les réapparitions. Mais là, c'est juste que, ouais, non. C'est. Je sais pas comment les ennemis sont placés, tout ça. Hein. Voilà, il y avait des seringues. Il y en avait deux. Il y en a plein là après, mais bon. Il y a encore le mec qui est dans la coque du navire aussi. Y'a un mec en dessous là. Ah oui, putain. Oh, attends, lui par contre. On se casse. Okay. Par contre, j'en ai récupéré qu'une. Parfois, je comprends pas. Parfois, on en a gagné qu'une. Parfois, bah deux. Ce qui normalement devrait être la norme. Je sais pas à quoi ça correspond. Qu'est-ce qui fait que parfois t'en gagnes moins que d'autres? Ah, mais c'est juste parce que, ok, j'ai juste pas récupéré la deuxième. Bon, c'est bizarre quand même, je peux tuer. Il y a contestation. Bon, sinon, pour récupérer les deux autres, comment on va faire, hein. Là maintenant. Ah, mais on est déjà sur la fin de partie en fait, c'est ça, hein. Ça qui est compliqué. Hein. Ça allait très très vite, j'ai l'impression que ça allait beaucoup plus vite cette fois. Hein. Oh là, par contre, vite. Là, il y en a deux. Ennemis dans la zone d'opération. Magnifique. Magnifique, mais c'est trop tôt là, tu vois. C'est ça qui va être compliqué encore une fois. C'est que c'est trop tôt là. Il reste 8 joueurs. Ah non, hein. Là, on va pas pouvoir temporiser. C'est mort. Là, je vais atterrir sur le sol, je vais me faire dégommer. Hein. Ah, c'est pas le bon timing. Hein. Puis voilà, je suis vêtu. Hein. Encore, je pense qu'on va faire beaucoup plus tôt que ça. Tiens, en plus on tue un mec, let's go. Un kill supplémentaire au compteur. Je sais pas comment je fais pour passer inaperçu là, mais je passe un peu inaperçu. Hein. Allez,
coup de couteau, non. Attention, c'est perdu, mais... On a bien lutté, non. Top 3, eh. Le podium. Le podium est quand même sécurisé. Tu vois, j'aurais pu me réanimer un peu plus tard. C'était bon. Comme quoi, c'est vraiment qu'une histoire de timing. C'est comme la partie d'avant où j'ai réussi pile à me réanimer au bon moment. Là, c'était trop tôt. Je sais même pas où ils étaient, d'ailleurs, les autres survivants. Il y avait peut-être au-dessus de moi, je sais pas si la zone était incorporée un peu dans le navire, mais il y avait peut-être au-dessus du coup dans le navire, sur le bord, tu vois, genre. Ah, c'est dommage, mais ça reste une belle game quand même. Ça reste vraiment une belle game. Je sais pas si on va s'en faire une autre. En soit là, ça fait déjà deux gameplay, je pourrais limite vous rajouter du coup le petit gameplay bonus pour finir la vidéo. Bon, que les meilleurs moments de la game, il y a certains moments c'était en mode camping. Pour éviter de se faire surprendre par les zombies, mais comme ça vous aurez trois gameplay, tu vois. Je sais pas. Je suis un peu dans l'hésitation. Mais en tout cas, je suis content là quand même de ces deux games que j'ai pu vous proposer. C'est pour ça qu'on pourrait quand même terminer sur une note plutôt positive. Je n'ai pas assuré. Si on fait du coup une troisième partie qui sera peut-être moins bonne que les deux précédentes. Aïe, je sais pas. Sachant que là, du coup, on tomberait sur Vanded, hein, on est d'accord. Ouais, Vanded encore pendant 6 minutes, je pourrais peut-être attendre pour retomber sur Almazra. Mais dans tous les cas, le gameplay bonus, il est sur Vanded, donc je sais pas. Trop d'interrogations, mais je vais essayer de réfléchir un peu là, et de toute façon, on se retrouve soit pour l'outro de la vidéo, soit pour une troisième game qui sera pour alors vraiment la dernière, pour ce retour du mode Zombie Royal. On va la faire, cette troisième game, en espérant qu'on soit dans une zone différente de la précédente, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités, il y a quand même des chances qu'on soit de retour autour de l'OVNI, mais croisons les doigts pour que ce soit pas le cas. En vrai, je serais chaud pour du coup la zone autour du pharaon dans les dunes de sable, même si c'est pas du tout facile à gérer, que ce soit zombie ou humain, ça peut être fun quand même, je pense. Hein. Bon, j'ai encore changé d'arme d'ailleurs. Oh oui, on change d'arme à chaque fois. Hein. Petite TAR 21 cette fois-ci. Eh, ça se fait pas là, par derrière, non méo, un peu de politesse. Genre, il fallait me dire, eh, je suis derrière toi, et après, il aurait pu me tirer dessus. Là, non, c'était pas possible, tu vois. Vraiment pas possible. Tant pis, après, de toute façon, si on est encore sur la même zone, de toute façon, on jouera quand même la partie. Hein. On va pas faire la fine bouche, mais. J'ai quand même une petite préférence là, du coup. Hein. Là, je peux pas l'exécuter, soit t'es stylé. Allez, c'est parti. Pour peut-être un top 1. On va voir ça. Et les zombies, en tout cas, eux, continuent d'agresser ce pauvre avion. Ah, ils en demandent, hein. Ils veulent de la chair fraîche. Oh, en plus, on est avec Black Noir, là. Oh, le combo. Incroyable. Dégage. Et du coup, en termes de zone, ça va être au tour des marais. Bon, au moins, on a une zone différente, mais c'est pas ma préférée, celle-ci. Hein. Elle est pas facile à gérer, en tout cas, je trouve. Bon, alors où va ton spawn? On va suivre les alliés, de toute façon on va voir où ils vont. Hein. J'ai trouvé un contrat. Allez, pourquoi pas, allez. Plein Almazra City. Le gaz n'affecte pas les gens. Sera plutôt calme en plus de ce côté-ci. Hein. Peut-être que je me trompe, mais. Je pense que ça devrait le faire. On va tâcher de récupérer directement une arme et. Ainsi on pourra se défendre au moins jusqu'au largage de l'équipement. Il y a un mec quand même qui s'est pas rajouté là à côté. Surveillez le ciel. Parfait, on a une arme. Et il y a encore un ennemi. Il aurait pu venir ici. Hein. On aurait fumé là. Hein. Je peux toujours aller le chercher. Hein. Ouais, surtout qu'il n'y avait pas que lui au final. Hop. Ok. Objectif principal. Je pense pas qu'il va venir de toute façon. Les cibles ont été neutralisées. Après là, il y a sûrement la squad complète. Hein, donc les trois mecs. Mais on a la ISO nous. Hein. Même si. Ça va être chaud quand même là. De tous les avoir. Hein. Donc j'ai plus d'armure, ouais, j'ai plus d'armure, donc là, peut-être pas non plus tenter davantage. S'ils viennent, pourquoi pas, hein, mais je crois pas que je vais aller jusqu'à eux. Faudrait limite ouais, récupérer de l'armure, là je pourrais tenter le coup, mais sans armure, non. Là on a une plaque, oh, il y a un zombie, tiens. C'est un zombie joueur sans plus ou un zombie bot? Ah, c'était un zombie joueur, mais qu'est-ce qu'il se foutait là? Bon. Free kill! Free kill, moi je prends, hein. Bien volontiers. Bon, allez, on prend, de toute façon, en attendant, hein, faut quand même récupérer des armes.
qu'importe si elle est bien équipée ou non, ou si elle a plein d'exploits ou non. L'infection atteint un niveau critique. Préparez-vous à combattre les morts-vivants. Ok, il avait trouvé quelqu'un lui. Il y en a d'autres, je crois, encore là en dessous, peut-être. Hop, du travail. Tu t'en es pris à la mauvaise. Ça commence bien en tout cas. Hein. Déjà 2 kills. Oh la putain, chère. Est-ce que c'est celle que je pense? Ouais, avec le viseur. Ok, incroyable. Celle-ci, elle est vraiment plutôt efficace. Non, vraiment, on se fait plaisir, hein, décidément. Oh putain, il s'est déjà sauvé. Attends, il y avait vraiment. Ah bah oui, vu qu'il y avait deux mecs, effectivement, il y avait 4 seringues. Et on a eu de la chance, oui, hein. Tombé pile au bon moment. Début de l'infection. Rap H, ouais. Les morts vivants entrent dans la zone d'opération. Je pense qu'on va rester avec ce combo, hein. Là, vraiment, ça fait le taf en attendant d'avoir le largage. On a plutôt eu de la chance. Ah, ça arrive d'ailleurs, là. Je sais pas où il va faire, lui, mais. On pourrait peut-être l'avoir. Est-ce qu'il a atterri là sur le burger? Ouais, je crois. Hein. Ah bah. Hop, elle est. Ah non, 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 mi, cover. Oh putain, j'ai échappé belle. Heureusement que j'avais le petit bâtiment derrière quand même pour mettre la cover. Je sais pas où il est en plus, mais je crois que l'allié va s'en charger. Hein. Hop, on va recharger les armes. Le gaz se rapproche. Bon, en tout cas, c'est un bon spawn là de début de partie, parce que tu vois, il n'y avait pas trop d'ennemis, mais il y en avait suffisamment quand même pour gratter quelques éliminations. Pour le coup, là, on a très bien spawn, je trouve. Hein. Une partie de votre équipe n'est pas dans la. Ouais, maintenant, il s'agit quand même d'atteindre le colis. Il est à quelle distance là? Enfin, il est où précisément? Ok, ça va. Il est au niveau du rond-point, c'est pas trop loin. Mais il faut quand même tâcher d'y aller histoire de récupérer. Une bonne fois pour toutes l'équipement. Oh, attends, par contre, là. Est à 50%. Eh, là, il y a un coup. Non, il va se barrer. Il y a un coup à jouer, là. Let's go. Oh, c'est moi qui ai eu le kill en plus. Eh, 4 kills. Non, mais là, on est sur un très, très, très bon début de partie. Hein. Après, il faut réussir à tenir le coup pour la suite. Genre, quand on sera zombie potentiellement ou autre. Mais c'est solide, là. Hein. Toi, par contre, tu vas nous faire chier. Aïe, aïe, aïe. Y'a pas un moyen de monter directement une zipline, je pense pas, mais. Si on pouvait le conteste. Le niveau d'infection est critique. Là, il y a l'échafaudage. Sinon, moi, je vais chercher les armes, hein, et puis c'est tout. Hein. Bah, il a de la chance. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'accès rapide. Alors, le colis. Un membre de votre escouade est infecté. Hop. Il a été redéployé en tant que super, au moins, allié. Ça, c'est acquis. Donc, il doit être tout seul, là, au-dessus, je pense. Hein. Il n'y avait pas l'air d'en avoir d'autres. Attends, peut-être par là, on peut monter. Vu que ça monte un peu ici, je pense que ça peut monter jusqu'au toit. Les morts-vivants arrivent. Ouais, ok, il y a l'échelle et tout, parfait. Oh putain, je sais pas, il m'a vu. Ah, il m'a vu, putain, j'aurais dû foncer direct, là, c'est trop tard. Ah, enfin, je suppose qu'il m'a vu, hein, peut-être pas, mais... Si, je pense, ouais, en plus. Ah, dommage. Bon, le plus important, c'est qu'on a nos armes. J'aurais apprécié, effectivement, avoir un kill supplémentaire, mais... On peut pas tout avoir, hein. Alors, de toute façon, ici, ça devrait pas être trop compliqué pour se réanimer. Il y a de quoi. Avoir pas mal, de toute façon, de seringues. Regardez tout ce qu'il y a là, de toute façon. Je peux même choper un kill, hein. Kill supplémentaire. Yam, yam, yam. Plus ça, ça fait rire. Parfait. Ouais, mais je fais exprès, tu vois, comme ça, on avait un free kill, je savais. En étant infecté, c'est pour ça que je me suis laissé faire face à l'autre. Pas du tout, pas du tout. Par contre, là, il y a un ennemi, on n'y va pas. La chance, qui m'est pas tiré dessus d'office. Hein. On va se mettre ici, je pense, du coup, même si c'est même pas la zone. Ah bah, il y a l'allié en plus ici, je m'en peux faire exprès. J'ai repéré là, ils un sont ennemi. Deux, du coup, hein, ouais. Bon, c'est du sens, on va pas grand chose, je pense. Hein. Préparez-vous à combattre. Je crois qu'il y en a un vivants. Qui s'est fait avoir. Le gaz avance. Ah, le drone par contre attend peut-être. On a besoin voyons de voir. Ah, il y en a qui sont à portée de main. Hein. Rejoignez la zone de sécurité. Un ennemi est dans la zone. Surveillez le ciel. Il y en a autre juste en dessous, je crois, vu qu'il y a le laser. Dans la zone de guerre. Je vois le laser, je sais pas où d'où il sort, mais même là ça traverse. Aussi, hein. Oh punaise. Putain, j'ai choisi un bon bâtiment là, je crois. Hein. Après, est-ce que là on va réussir à en avoir d'autres? Je sais pas. Fais gaffe aussi qu'il n'y ait pas des zombies qui débarquent. En parlant de zombies, hop, utilisé. Ah, par contre, j'ai plus de balles. Ouais, j'ai plus de balles là. Oh putain, bon, de toute façon, voilà.
Et en plus, c'était deux, ouais, donc c'était mort. Mais on va peut-être pouvoir y retourner encore. Attends, c'était le bâtiment, je sais pas. Oh, mais je lui kill en plus. Quoique, je suis pas sûr, attends. J'avais 5 kills avant. Bah non, j'en avais. Bah non, j'ai pas eu le kill, attends, sinon je serais à 7 kills là normalement. Ouais. Les comptes sont pas bons là, hein. Les touches ne sont pas exactes. Oh, mais y'a un mec là d'ailleurs. Eh merde, il l'a exécuté. Dommage. Dommage, sinon là il était. Il était plus. Et là, de toute façon, ils vont être sur le toit donc. Ouais, je suis mort aussi. Hein. Après, attends, y'en a quand même une au-dessus. Hein. Ah bah, plus maintenant. Drone hostile dans la zone. C'est pas le moment de toute façon de tout gâcher donc on va essayer de jouer safe pour se revive. En attendant, l'allié se fait plaisir, il semblerait en plus. Hein. Là, y'a du monde, mais faut risquer, hein. Risqué. Ennemis dans la zone des opérations. Ah ouais, il y en a même sur le les tours là. J'avoue, ils sont bien placés. Hein. Attends, là par contre. J'ai cru que ça commençait. Oh, quoique lui, peut-être on peut l'avoir. Hein. S'il est tout seul, lui, je me dis pourquoi pas. Oh. Putain, on l'a échappé belle. Hein. Il a été coriace. Hein. Wow. Ok, un kill en plus. Mais maintenant, je prendrai, je pense pas à nouveau ce risque hein, pour les deux dernières. Hein. Surtout que je vais bien pouvoir en choper deux. Ah ouais, bah. De l'autre côté, il y en a beaucoup plus. Hein. Il y a finalement plus rien, mais de l'autre côté, ouais. Sauf que le temps de faire le tour, quoique. Il y en a deux bien isolés quand même. En vrai, si les gens ne voient pas, on les aura. Hein. Ah, ils sont plus là. Bah, sinon, c'est ici. Ici, c'est l'objectif. Ici, il y en a beaucoup. Hop. Après, je pense que c'est bien gardé aussi, c'est peut-être pour ça qu'il y en a autant. Mais on devrait quand même pouvoir en récup. Hein. Là, il y en a une déjà. Hop, merci bien. Bien, encore un et vous serez guéri. Oh, d'ailleurs, lui. Le gaz se rapproche, il y a une nouvelle zone de sécurité. Non, on va pas tenter. Hop. Il y avait celle-ci, je l'avais vue. Hein. Parfait. Et là, ça va être compliqué parce que là, c'est la zone en fait qui est dure à gérer. Là, on arrive à un stade où la survie va être complexe, très complexe. Hein. Je sais même pas où atterrir d'ailleurs. Hein. Ici, mais bon, il y a un mec. Mais bon, que tu veux que je choisisse? Ah, au pire, j'aurais dû aller sur l'allié, j'avais pas vu. Ouais, occasion ratée. Là, il y avait l'allié, c'était sûrement le bon endroit. Il y a un mec qui a dit idiot. Idiot, comment ça? Parce qu'ici, je suis pas serein. Hein. Après, je suis à côté de l'allié, donc je peux le rejoindre maintenant. Tu sais, il était un peu plus en hauteur aussi, donc en fait, il a pas forcément un très bon spot. Hein. Ok, bon. Go, hein. Je sais pas où il est. Bah, si, il est à l'intérieur, mais. Bon, il doit être à peu près tranquille là-dedans, du coup, hein, ça veut dire. J'arrive, j'accours. Bonjour. De toute façon, l'autre, il a quitté, donc on est plus que nous deux, hein. C'est nous deux contre le reste du monde. Le reste des zombies aussi. Oh. Ouais, tu vois, il y en a au-dessus. Lui, il est vraiment pas bête. Putain, lui, c'est vachement bien mis, regarde. On peut tenter de lui mettre des balles, mais on va pas le tuer, je pense pas. Et voilà. Tellement, dès qu'on commence à l'avoir, il quitte la position. Dommage, il restait pas grand-chose. Hein. Ah non, on l'aura pas. Et l'allié, je sais pas d'où il est mort, mais ouais, c'est vrai que ceux qui sont au-dessus là, survivez. En mode sniper. Soldat ennemi en approche. Aïe 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 aïe. Un coéquipier est infecté. Pense, hein. Localisez des antiviraux pour le soigner. Mais la prochaine zone, elle va être compliquée. Bah, la prochaine zone, ça va vraiment être dans l'eau. Hein. Oh putain, le sniper. Ça se complique très largement. Je pense que je vais retourner ici, moi. Même si va falloir retourner après. Ouais, comment faire? Là en plus il y a encore un ennemi, on va se faire intercepter de partout au final. Et là je suis push de fou hein. Oh, on l'a eu! Ce combat de bouclier! Oh bordel, même si je vais mourir du coup hein. Oh ouais, là c'est mort. On a gagné un combat de bouclier! Qui aurait cru qu'on aurait fait un combat de bouclier? Personne. Oh, après l'autoréa, attends. Oh, l'autoréa peut-être.
Même si là, je suis dans la sauce, hein. De fou, de fou, de fou. Ok. Putain, vite, recharge. Ils m'ont même pas vu. Non, bah c'était sûr. Le gaz avant. Je sais pas si on va pouvoir se revive, hein. Rien que là, du coup, je suis déjà en mode... Peut-être la fin. Là, la zone, elle est quasiment que dans l'eau, c'est n'importe quoi. Hein. Peut-être par contre. Antiviral ramassé. Allez. Yes, on l'a eu. Oh, je revive en plus, jure. Je jure que j'en ai récupéré suffisamment. Infection soignée. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est pareil que la partie précédente. On est trop tôt. On est bien trop tôt là, malheureusement. Parce qu'il reste 6 joueurs. Ouais, non, c'est mort. Je vais encore me faire saucer de la même manière. Hein. Après, si vous dépêchez de mourir, peut-être qu'on pourra en reparler, hein, mais ça va pas se passer comme ça, je crois. Oh putain de mais regarde. Alors là, tu peux que mourir de toute façon en atterrissant, hein. Il y a beaucoup trop de zombies. Par rapport au nombre de survivants. Top 3 encore. Let's go, le podium à nouveau. Ouais, t'es quand même vachement sympa la game, hein. En plus, on a eu un combat de bouclier d'anthologie. Et ça, on n'aurait pas pu le voir autrement, je pense, hein. Toujours une question de timing de toute façon, hein. Là ça a été vraiment le même timing que la partie d'avant et du coup le résultat a été le même, hein, le top 3, hein. Mais ça tu peux pas le pré-shoot, surtout que moi je pensais pas que je récupérais 4 soirées d'un coup là, hein. Mais j'ai dû en récupérer sur le chemin et je m'en suis pas rendu compte, c'est pour ça. Et pour moi j'en avais 0, là je faisais un kill, j'en récupérais 2, donc j'avais encore un peu de marge. Ça avait vraiment été le cas, je pense, j'aurais peut-être pu passer en top 1, mais là non. La cam fait pas mal de kills en soi. 9 kills je pense sur les opérateurs plus après une de zombies, même si j'ai pas tué beaucoup de zombies sur cette partie, mine de rien. Ouais, 9 et 2 et... Ah bah non, alors, j'ai cru de l'allier aussi, mais en fait c'est le total qui est également à 9 et 2 du coup. Ah non, vraiment, game plutôt sympa, on va donc pouvoir s'arrêter là. Je pense que je vous laisserai tout de même ma première game finalement sur ce mode zombie royal nouvelle version sur Vanded. Comme ça, ça vous fera 4 games pour cette vidéo, il y aura du contenu. Je vous proposerai pas tout, du coup vraiment ce sera les meilleurs moments de la partie, mais au moins voilà, ce sera une bonne manière de terminer la vidéo. Et 2 top 1 sur une vidéo de Zombie Royale, résultat incroyable. En tout cas, ça fait toujours plaisir de jouer dans ce mode, hein. Croise les doigts pour qu'il soit de retour l'année prochaine, car c'est toujours un pur kiff. Warzone, ça doit être de la merde. Le Zombie Royale, par contre, c'est une réussite. Et quand il y a des réussites en Warzone, faut le dire, c'est très 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 rare, mais parfois, ça arrive. En tout cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, de commentaires et de partage si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve du coup, oui, très très vite, hein, pour d'autres vidéos, que ce soit en Warzone, sur Call of Duty, plutôt Modern Warfare 3 d'ailleurs, ou même sur d'autres jeux. Allez, bye tout le monde. Oh yeah. Dernier opérateur en vie remporte la victoire. Ça m'a l'air d'être une bonne zone d'atterrissage. Attention, le gaz n'affecte pas les morts vivants. Ont été identifiées. Occupez-vous d'elles. Objectif principal terminé. Toutes les cibles ont été neutralisées. J'y vais! Surveillez le ciel.
Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Non, c'est pas sur moi qu'il faut tirer. N'oublie jamais que c'est moi qui t'ai sauvé. J'y vais. Drone amélioré hostile actif. Damn it, get upstairs. Se déplace. On est dans le même camp. Votre équipe est dans la zone de sécurité. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Un membre de votre escouade est infecté. Il a été redéployé en tant que mort-vivant allié. Je pose une clé mort. Dans la zone des opérations. Je pose une clé mort. On est dans le même camp. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Laisse ma magie te soigner. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Trouvez des antiviraux pour vous soigner. Vous avez trouvé un antiviral. Il vous faut plusieurs doses pour soigner l'infection. Bon retour parmi nous, soldats. Il n'avait aucune chance. Bien joué.